Bonjour les grands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une leçon de phonologie. Vous allez voir, ça ressemble à la leçon que vous avez faite avec maîtresse Nada sur les sons d'attaque. Ça s'appelait Ozoo et il fallait trier les animaux par son, les sons qu'on entendait au début dans leurs enclos. Donc là, ça va être pareil, mais sur fiche. Donc il va falloir imprimer ces deux fiches. La fiche avec les quatre enclos et la fiche avec les animaux. Donc vous avez ici les quatre enclos avec déjà un animal à l'intérieur. Donc il faut trouver le son d'attaque que l'on entend pour chacun de ces animaux et mettre dans l'enclos les animaux qui ont le même son d'attaque. Donc on va le faire ensemble. Alors ici, l'animal, c'est le cochon. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on entend au début de cochon ? Cochon. Vous avez trouvé? C'est le son que. Cochon, ça commence par que, comme le cornichon dans les alphas. Donc tous les animaux que vous aurez, je vais vous lire après le nom des animaux, qui commencent par la même attaque que cochon, par le que, vous allez les mettre ici avec le cochon. Ensuite, dans le deuxième enclos, vous avez le chameau. Chameau. Qu'est-ce qu'on entend au début de chameau? On entend ch comme le chat dans les alphas. Après, le troisième enclos, c'est le lion. Le lion, ça commence par lion. Lion. Dites-le bien, prononcez bien fort en accentuant bien la syllabe d'attaque, le son d'attaque. Lion. Voilà, c'est le L. Le L de limace dans les alphas. Et le dernier enclos, vous avez le serpent. Serpent. Qu'est-ce qu'on entend? Quel est le son que l'on entend au début de serpent? Le S. Oui, le S. Du serpent, justement, dans les alphas, hein, pour le son, c'est le serpent. Donc, je vais vous donner le nom des animaux que vous aurez à classer dans les quatre enclos. Donc, vous avez le sanglier, le castor, le lama, le caméléon, le cheval, la chauve-souris, le scorpion, le crocodile, le cygne et la licorne. Donc vous allez découper les petites vignettes et ranger les animaux dans le bon enclos. Je vous souhaite un bon travail, une bonne réussite à cet atelier de phonologie. Travaillez bien et bonne journée. Au revoir les enfants.